à faire le plus vite. Ouais. Et puis... Attends, arrête. On se balance. Plus vite. On se balance. Allez, allez. On se balance. On se balance. On se balance. Non, c'est automatique. Non, c'est même pas automatique. On se balance. Shalom, tu peux me raconter une histoire? Attends que je réfléchisse. J'ai trouvé. Oui. Tu connais l'histoire de Abraham Avinu? Oui, je me rappelle. Abraham Avinu, il était très intelligent. Et il a compris que c'était Hachem qui a créé le monde. Au début, il voyait le soleil. Et il croyait que c'était le soleil qui a créé le monde. Mais pendant la nuit, on voyait plus le soleil. Donc il a compris que le soleil ne pouvait pas être Hachem. Après, il a pensé que c'est la lune Hachem. Mais après, quand c'était fini la nuit, eh ben, il voyait que la lune elle était plus là. Alors la lune elle pouvait pas être Hachem. Mais elle est toujours là, partout, et il fait attention à nous. Continue, Shalom. J'adore. Le papa d'Abraham avec nous, il avait un magasin de statues. Et il disait que les statues, c'était des... N'importe quoi. Les statues ne peuvent pas bouger. Bravo. Alors Abraham avec nous, il a pris un marteau et il a cassé toutes les statues. Son papa, il a crié. Oui, il a crié. Mais tu sais ce qu'elle a dit à Abraham avec nous? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était ça. Il a dit Abraham avec nous. Mais c'est pas moi, c'est les statues qui sont battues entre elles. Trop marrant. C'est cette histoire, elle me fait penser à la mitzvah du Rambam. C'est quoi la mitzvah du Rambam? La mitzvah du Rambam, c'est qu'on n'a pas le droit de construire des statues pour faire un avodah zarah. Comment on fait des statues en fait? Avec du bois ou des pierres ou du fer. Merci Shalom pour l'histoire. Elle était trop belle. De rien. À bientôt. À bientôt. Par contre, comment se bagarrer les statues? Je ne sais pas.